Avant de percer le secret des rêves de Julie, je vous propose de revenir au concours. Alors je vous rappelle qu'il faut toujours trouver le nom d'un personnage célèbre qui lui aussi vous a fait rêver. Regardez bien ce deuxième indice. Et voilà, notez bien ce deuxième indice et maintenant découvrons les rêves de Julie. Danser, danser parmi les étoiles. Ici, mademoiselle, on ferme. Bravo à Julie, félicitations. Ah oui, bravo. Et Julie, nous t'avons réservé une petite surprise. Ah bon? Oui, oui. Regarde qui est là, Éric Vuant en personne. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis désolée, je suis très émue. Ah non, merci beaucoup les garçons. Non. Bon, pendant que tu es là, je vais en profiter pour te poser quelques questions. À quel âge peut-on commencer la danse? Vers 10 ans, je pense que c'est une bonne période, aussi entre bien, 8 et 10 ans. Aussi bien pour les filles que pour les garçons? Tout à fait. Et toi? Pas de ségrégation. Et toi, à quel âge as-tu commencé? Moi, 10 ans. Et jusqu'à quel âge peut-on danser? Ça, je préfère pas y répondre. Ça, désolé, mais... Et quelles sont les difficultés pour un danseur ou une danseuse? Les difficultés, il n'y en a pas d'énormes, mis à part au niveau de la scolarité, parce qu'on est obligé un petit peu d'avoir un travail plus intense à la maison, parce qu'on a des heures de répétition toute la journée, parce que on est obligé d'avoir le même niveau que dans les autres écoles et on a moins de temps. Je suppose que dans la vie d'un danseur, il y a beaucoup de contraintes. On ne peut pas manger de gros gâteaux au chocolat comme sur le Disney Club. On ne peut pas, je ne sais pas, sortir, s'amuser. Si, heureusement, on peut. On est quand même vivant, on est quand même comme tout le monde. Et surtout quand on est des petits garçons et des petites filles, on a le droit de manger un peu moins, malheureusement, pour les petites filles. C'est vrai qu'elles ont besoin de faire attention à leur silhouette parce que d'abord, les petits garçons les portent. Donc, oui, on a c'est déjà important, ça. Il faut. Et donc, mais autrement, on a le droit de manger. Ah, tu me rassures. Eh bien, merci Eric et bravo, merci d'être venu sur le plateau. Bravo.
Nick Small tombe amoureux de la belle Rita. Seulement voilà, il est détective et elle, voleuse de diamants. Heureusement, Chip Fry, vous savez, celui qui rapetisse, veille et remettra tout le monde sur le droit chemin. Voici le détective Small et Monsieur Fry. Ouais. Qui sait jouer à la pétanque? Moi. Toi aussi, Julie? Eh oui. Bon, mais est-ce que vous jouez à la pétanque à la maison ou dans votre appartement? Non, les parents ne veulent pas. Ah, voilà. Les parents ne veulent pas. Et ils ont bien raison, parce que la pétanque à la maison, ça peut être dangereux et puis ça fait du bruit. Alors moi, je vais vous apprendre à fabriquer vous-même votre jeu de pétanque qui ne fait pas de bruit et qui n'est pas dangereux. Premièrement, eh bien, il vous faut des balles de ping-pong. De préférence colorées, c'est plus gai. Vous prenez une balle de ping-pong et vous y faites un trou. Alors là, attention à ne pas vous couper. Vous faites un grand trou. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé ce trou, eh bien vous prenez une feuille de papier avec laquelle vous allez faire une espèce de petit entonnoir, comme j'ai réalisé ici. Voilà, en le tournant comme ça. Tu as bien raison de me poser la question. Vous l'enroulez comme ça. Voilà. Et là, vous obtenez un entonnoir. Ensuite, il suffit de le scotcher pour que ça tienne bien. Alors là, celui-là, je l'ai scotché. Vous mettez donc l'entonnoir au-dessus de la boule de ping-pong. Et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à y verser du sable fin. Regardez, hop là. Et là, normalement, ça devrait se remplir tout doucement. Alors attention, c'est une opération assez délicate. Voilà, j'ai fait un tout petit trou, donc vous voyez, ça se remplit tout doucement. Bon, mais une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous prenez une bougie, vous l'allumez, et avec la cire de la bougie, eh bien, vous allez boucher votre trou, comme ça. Vous voyez ? Ensuite, vous pouvez la décorer soit avec de la peinture, soit avec des petits papiers adhésifs de couleur. Et puis, nous avons déjà réalisé un petit jeu. Et je vais demander à Olivia, qui est à côté de moi, de venir jouer avec moi. D'accord? Allez, viens Olivia. On va faire une petite partie pour vous démontrer que ça marche très très bien. Alors, pour le cochonnet, eh ben, pour le cochonnet, c'est simple. Vous prenez tout simplement une bille. Une bille. Une bille, vous avez tous des billes à la maison. Oui. Bon, et ensuite, eh bien, on joue. Et c'est celui qui est le plus près de la bille qui a gagné. À toi, Olivia. Ben, c'est encore à toi de rejouer. Laissons-les jouer. Donald découvre que les abeilles font du miel avec ses fleurs. Et vous connaissez le caractère de Donald. Il ne va pas laisser faire ça. Voici Donald et les abeilles. Yeah!